Aujourd'hui dans cette vidéo les gars, je vais vous montrer les meilleurs settings pour monter Unreal en Ranked. Donc n'hésite pas à rester jusqu'à la fin pour voir ce qu'on peut faire avec les settings. Je tiens à remercier les 10 derniers abonnés. Si toi aussi tu veux passer à l'écran dans une prochaine vidéo, mon frérot, t'as juste à t'abonner. Et on n'oublie pas de mettre mon code créateur, boutique d'objets, soutenir un créateur, ITXO, ITXO, n'hésite pas à m'envoyer des petites preuves sur les réseaux. Tiens, il s'est enlevé, donc n'hésitez pas à le remettre parce que ça se supprime tous les 15 jours. Et let's go, on est tout de suite parti. Donc c'est bon les gars, j'ai lancé une map déjà pour vous montrer les settings, donc on y va directement. Du coup, en multiplicateur de sensibilité de construction, on est à 1,9 et en modification on est à 2,1. Ça va en vrai. Ensuite en vitesse de caméra horizontale on est à 39 et en verticale on est à 41. Ok, encore c'est des settings plutôt simples hein. Pas trop haut, pas trop bas. Le reste tout est à 0%, même la durée avant la vitesse max. En vitesse de caméra horizontale visée on est à 12 et en verticale visée on est à 13. Ok, toujours plutôt carré. Et en courbe de vision on est linéaire. Après je vous laisse mettre ce que vous voulez en zone mort. Personnellement moi mes joysticks ils ont des gros problèmes, donc je suis obligé de la mettre plutôt haute. Alors on va build un peu voir ce que ça donne. En vrai c'est pas mal hein, je loupe 0 edit pour l'instant. Non vraiment ouais, rien à dire pour l'instant sur le build, j'adore. Ensuite la visée, bon c'est pas trop rapide, c'est pas trop lent, donc en vrai je valide. Bon bah je pense qu'on va aller faire quelques petits fights en réalistique et après on ira en game, let's go. What? Oh j'ai cru qu'il avait la pioche FNCS, ok. Ah il a 17 000 points. Oh, si je le win en soi ça veut dire que vraiment les settings sont bien. Ok, en plus on a le pompe mythique, on pourra mettre des 200. Touché. Oh là 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 là. Il a 17 000 points lui. Allez, encore deux manches. Box, moins 130. On va se heal, on se met les deux grosses popos. Oh, il a l'air chiant à jouer, hein. Il fait que de monter, il vient pas se fight. Oh là là. Et je lui mets des dingueries par contre, c'est abusé. Mon aim, elle est incroyable. Allez, let's go, dernière manche. Est-ce que je vais essayer de lui caler quand même un beau truc là. Oh, je fais des bruits bizarres, mais là... Ce qu'on lui met. Allez, let's go, on va en game. Ok, c'est bon, on est en game. On va aller se faire un petit Anvil Square. Je pense qu'on va pouvoir bien tuer du monde là-bas. Surtout que, vu ce qu'on a pu faire en réalistique juste avant, on va pas avoir trop de difficultés. Et peut-être on va réussir à gratter le top 1. En vrai, j'espère bien. Hop, on va aller juste ici. Bon, j'aimerais bien spawner avec une arme par contre. Bah, génial, il y en a pas. À part des munes. Ok, ah, il y a un pompe. Ah, il m'a vu lui. Où est-ce que tu vas, mon grand? Ah, ouais, mais il y a rien ici. Touché. Si, mais bon, il a pas réussi à m'avoir. Dommage pour lui. Mort. Allez, le deuxième kill de validé. À qui le tour? Allez, donne-moi du shield. Yes, ça régale. 60. Il a disparu le frérot? Ah non, il est en train de camper, je crois, dans sa box. Mort. Balcon, mais c'est méchant, hein. Est-ce qu'il n'y a pas un mec sur les toits? J'ai vu quelqu'un glisser là. Ah non, c'est une poule. Oh là là, mais à chaque fois, je me fais avoir par ça. Oh, il y a un coffre épique là. On va aller le récupérer, clairement. Il y a des gens qui sont en train de se fight aussi. Attendez-moi un peu, les frérots. Ah, j'ai vu quelqu'un en plus. Récupère le barrette. Oula, la grosse balle. C'est dingue ce que je mange, frère. Frérot, je suis derrière la porte là par contre. Je veux bien prendre des balles bizarres, mais elle était vraiment abusée. Touché, mort. Let's go. Non, il y en a un autre encore. A few minutes later. On va partir un peu d'Anvil Square parce que là ça commence à devenir chaud. Il y avait du monde qui commençait à venir. Des fois, faut être stratégique et pas rester à des endroits où bah, ça craint tout simplement. Tu crois que je t'avais pas vu, frérot? Même en plein milieu de nulle part, ça me joue, frère. Oh, ça l'a frôlé. On va aller le chercher, hein. Pourquoi il me push et après il part? Bonne question. Peut-être il a peur de moi, logiquement. Et c'est sûr, il est dans le buisson. Même pas. Wesh, il est parti où? Ah, il est là. Oula, oula, là. Là, je me suis chauffé, là. J'ai voulu mettre un oscope. Oui, qu'est-ce que... Ouais, je viens de me récupérer une P90. Et il joue bizarrement, hein. Il a une bonne aim, mais il a peur de push. A few minutes later. Wesh, c'est quoi tout ce monde-là? Oh, si je peux mettre la balle de snipe, en vrai, ça régale. Ok, touché. Ah ouais, mais moi j'ai plus de maths en plus. Oh non, mais frère, je peux pas me fight comme ça. Hein. Sans HP, pas de maths, c'est la mort assurée, je peux te le dire. Ouais, carrément, il y a eu des tremblements de terre. Ça me rappelle le chapitre 1, tiens. Bah, il y a un coffre en plus. Allez, du heal blanc, s'il te plaît. C'est incroyable, hein. C'est tout le temps le truc que tu trouves. Et quand t'en as besoin, bah t'en trouves pas. Ah là, il y en a. Je suis obligé de me heal aux fruits. Mais bon, 5 fruits et légumes par jour, comme on dit. Mange des légumes verts. Hop, c'est bon, on s'est remis full. Ah, mais j'avais tous mes atouts en plus. Bon, on est top 12, 4 kills. On va essayer de continuer à partir dans une bonne lancée comme ça. Ça, ça régale. Hop, pour récupérer une deuxième grosse popo. Allez, on commence à avoir un bon stuff. Tout à l'heure, on était grave dans le mal. Ça remonte, ça remonte. Là, par contre, j'aimerais bien ouais, retrouver quelqu'un. Attends, quand j'ai la P90 dans les mains, je cours plus vite. Ah ouais, je peux courir en illimité comme ça. Mais c'est trop fort, frère. J'étais même pas au courant. Oh, y'a Blood Lake qui va spawner. C'est quoi ce bruit? Oh, j'ai peur. J'ai cru qu'un mec m'avait visé. Allez, let's go. Où est-ce qu'ils sont? Ok, j'ai déjà vu un mec se heal là. Oula, il est fort lui. Il met une sacrée balle. Hop, moins 100. Bah, il est en train de se heal, hein, logique.
Hop, on le fait tomber. On est stratégique, nous. Il y a un mec qui vient de prendre une faille et je pense qu'il va nous rejoindre. Oula, oula, oula. Eh, j'entends... Il y a trop de monde, là. Il y a quelqu'un qui essaye de nous faire tomber, aussi. Ok, mort. What? Oh, mais non, il est tombé. Il m'a mis à moins de 100, frère. Dégoûté. Ouais bah c'est juste parce que je m'occupais de l'autre. Voilà, tout le temps du ramasse-miettes. En vrai top 9, je trouve qu'on a fait une belle game. Il y a eu quand même pas mal de kills, c'était cool. Je valide les settings en vrai parce que bah voilà, un lame vraiment solide. On met de grosses balles et tout. Donc à vous de voir aussi de votre côté si vous validez. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé. Et puis voilà. Je me dis également, puisque j'ai fait une vidéo quand même settings sur la ranked, je peux aussi faire un tuto pour vous aider à monter Unreal. En soi, on n'est pas si loin de l'arène. Sauf que maintenant, comme vous êtes au courant, on est sur du stuff qu'on a en MM, sur des moyens de rota qu'on a en MM. En gros, en fait, la ranked, c'est devenu de l'MM, tout simplement. On n'a même plus le mode sensu. Donc on va dire... C'est un peu près pareil, mais pas trop en même temps. Parce que c'est quand même toujours un peu tryhard, surtout quand tu montes vraiment dans les gros elo, genre celui qui est Unreal, celui juste en dessous. J'ai pas trop retenu les noms, mais voilà. Juste avant de passer Unreal, ça commence à devenir très compliqué. Donc je pense qu'une vidéo tuto, ça serait pas mal. Donc vraiment, dites-moi ça en commentaire si vous êtes chaud. Aussi, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires. Par exemple, si peut-être tu veux changer quelque chose dans les settings, si tu trouves qu'un truc est beaucoup trop haut ou un truc est beaucoup trop bas, tu me le dis, je peux te conseiller de dire non, ça c'est pas bien de modifier ou des choses dans le genre. Il y a vraiment pas de souci. Moi, comme je t'ai dit précédemment, personnellement, les settings, je les trouve vraiment pas mal. Ça change de d'habitude comparé aux settings que je présente sur la chaîne parce que là, je trouve quand même qu'il y a un côté très rapide comme quoi les sensi, ouais, elles sont très hautes, mais pas non plus énormément. On va dire que c'est moyen, hein, tout simplement. On se retrouve dans de prochaines vidéos. Bye bye!